Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. La sagesse de l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Il y a aussi un temps pour s'agiter et un temps pour paisiblement profiter. Que ce temps de culte soit pour nous un temps d'apaisement et d'encouragement, alors que nous irons à la rencontre de deux femmes au caractère bien différent. Pour l'instant, poursuivons notre chemin dans la louange avec le premier chant.
Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Je soupire après toi dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Parce que ta fidélité est meilleure que la vie. Mes lèvres chantent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur mon lit, pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi. Car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. Alléluia. On demandait à un ancien comment prier. Et voici ce que l'ancien a répondu. Il n'est pas besoin de multiplier les vaines paroles. Il n'y a qu'à étendre les mains et dire « Seigneur, comme tu veux, comme tu sais, aie pitié. » Et si un combat survient, « Seigneur, au secours !» Seigneur, qui sommes-nous pour évaluer ce qui est bon pour nous? Trop souvent, nos désirs ne nous élèvent pas et nos demandes ne nous édifient pas. Seigneur, nous ouvrons les mains et nous nous abandonnons à ta miséricorde, en te disant comme l'ancien, « Comme tu veux, comme tu sais, aie pitié. » Aie pitié de tout ce qui en nous n'est pas le fruit de ton esprit. Aie pitié de tout ce qui en nous n'est pas suscité par l'amour. Aie pitié de tout ce qui en nous n'est pas transfiguré par ta grâce. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite par nos mains que nous tendons vers toi. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs que nous t'ouvrons. Que ta volonté soit faite dans notre intelligence que nous te soumettons. Que ta volonté soit faite par nos paroles que nous inspirons à ta parole. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Jacques, qui dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ce verset nous partage deux bonnes nouvelles. La première, c'est que Dieu ne laisse pas le monde succomber entre les mains des prétentieux. Toujours à nouveau, il pose une limite au pouvoir des vaniteux. La seconde, c'est que Dieu accueille la prière des petits, des délaissés, des mendiants. Il accueille la prière de tous ceux qui ont un cœur d'enfant. Aujourd'hui, Dieu accueille ta prière. Il résiste à ton orgueil et il supprime ta vanité. Il accueille ton humilité et il t'accorde son pardon. Un père du désert a comparé notre rapport à la parole de Dieu avec le comportement du cheval et celui du chameau. Le chameau se contente de peu de nourriture, qu'il ne cesse de ruminer. Le cheval, quant à lui, a besoin de manger beaucoup et il n'est jamais rassasié. Dans notre fréquentation de la parole de Dieu, le sage nous encourage à imiter le chameau plutôt que le cheval. Seigneur, tu nous vois impatients, fougueux et avides dans notre désir de comprendre ta parole. Nous sommes comme des enfants qui veulent tout et tout de suite. Nous ne supportons pas de ne pas comprendre. Nous exigeons une réponse à toutes nos questions. Et à la moindre lassitude, nous fermons le livre. Au moment où nous ouvrons la Bible, que ta parole nous mette aux aguets autant qu'elle nous rassure, qu'elle nous interroge autant qu'elle nous conforte, qu'elle nous résiste autant qu'elle nous étreint. Accorde-nous la sagesse du chameau pour que nous apprenions à ruminer ta nourriture et que ta parole plante son évangile
dans les profondeurs de notre histoire. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Voici un premier épisode où nous rencontrons deux sœurs, Marthe et Marie. Pendant qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas retirée. Voici un second épisode où nous retrouvons Marthe et Marie, mais aussi leur frère Lazare. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Les sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Quand il entendit cela, Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe, il aimait sa sœur et il aimait Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était,
Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, celui-là vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi, je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla appeler Marie, sa sœur, et lui dit en secret, « Le Maître est arrivé, il t'appelle. » Dès qu'elle entendit cela, Marie se leva vite pour venir à lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. » Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc, c'était vraiment son ami. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ? Jésus, s'emportant de nouveau, vint au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours. » Mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Thank you.
voici des paroles qu'à l'approche de ses derniers instants sur terre, Marthe aurait pu adresser à Marie, sa sœur. Chère Marie, je veux te dire merci. Merci parce que toi, ma petite sœur, si différente de moi, mon opposée, parfois même l'épine dans mon pied, tu as été pour moi un exemple. Le jour où notre Seigneur et Maître t'a donné à moi en exemple, ça m'a fait mal. Mais ça m'a aussi ouvert les yeux. Et petit à petit, j'ai compris. J'ai compris quelle était la bonne part dont il parlait. Celle qu'auprès de lui tu avais déjà trouvée. Celle que rien ni personne ne pourrait enlever. Alors j'ai essayé de mettre de côté mon orgueil mal placé. Je me suis efforcé de m'attacher à lui plus qu'à mes préoccupations, même bien intentionnées. Comme dit, ma transformation ne s'est pas faite en un jour. Les vieilles habitudes et les fonctionnements d'une vie sont difficiles à corriger. Il m'a fallu du temps et des années, et même aujourd'hui, au moment de quitter cette vie pour aller à celui qui est la vraie vie, je sais que j'ai collé au corps et à l'âme des bouts de mon ancien moi. Un peu comme Lazare, notre frère, lorsque le Seigneur l'a ressuscité. Oui, c'était bien lui qui est sorti du tombeau, son corps bien sûr, mais aussi son cœur. Plus tout à fait le même, mais quand même celui qu'il avait été, et qu'il serait encore pendant quelques années, jusqu'au jour où notre Créateur l'a rappelé à lui, et pour de bon ce coup-ci. Lazare n'a jamais su nous raconter comment il avait vécu ça, ni ce qui s'était passé pendant ces 4 jours au creux du tombeau. Il en savait encore moins que nous, puisqu'une fois la folle émotion apaisée, c'est nous qui avons dû lui expliquer comment Jésus, au travers de ses larmes et parce qu'il l'aimait, l'avait ramené de la mort à la vie. Oui, il avait été ranimé, mais la résurrection, la vraie, celle-là nous changera des pieds à la tête. Une fois dans la vie nouvelle, les choses anciennes seront passées, définitivement. Mon mauvais caractère, disparu. Mon anxiété communicative, même pas un mauvais souvenir. Tout sera comme si ça n'avait jamais existé. Et c'est là que tu m'as été si précieuse, par ta capacité à donner la priorité à ce qui était vraiment important. Tu m'as montré que la vie nouvelle doit se vivre au présent. C'est même plus que ça. Cette vie nouvelle, elle peut et elle doit être vécue dès maintenant, auprès de Jésus, à son école, à sa suite, à ses pieds. C'est là, à ses pieds, que peuvent fructifier nos bons côtés. Et ça, ce n'est absolument pas de tout repos. Se laisser cultiver par Jésus, se laisser ensemencer par sa parole et vivre une vie riche des fruits de son esprit, ça n'est pas reposant du tout. Mais c'est une saine fatigue, une fatigue satisfaisante. Pas comme celle que j'éprouvais quand je courais toute la journée, de la cuisine au jardin, du jardin au cellier, du cellier au salon 10 fois, 20 fois, 50 fois par jour. Et chaque lendemain, c'était comme si je n'avais rien fait. Chaque lendemain, la fatigue devenait plus grande, et la déception aussi. Oui, merci Marie, parce que tu m'as montré la voie vers celui qui accueille les fatigués, les chargés, pour leur donner du repos. Et de cela, nous en sommes tous. Ce n'est pas agréable à entendre, et c'est difficile à accepter, parce qu'on a tous de l'orgueil mal placé, et qu'on veut tous paraître plus fort qu'on ne l'est. Mais celui qui nie être malade n'ira pas voir le médecin qui ne pourra pas l'aider. Ce jour-là, à travers toi, qu'il avait déjà gagné à lui, c'est moi que Jésus invitait. C'est moi qui l'encourageais
à admettre mes fardeaux et mon épuisement, à les admettre et à les lui remettre, à les déposer à ses pieds. En saisissant cette invitation à me décharger sur lui, à entrer dans son repos, à le laisser me ressourcer, me restaurer, j'ai pu aller bien plus loin que dans mes rêves les plus fous. Plus loin dans la vie, plus loin dans la foi, plus loin dans l'amour. Plus loin dans la vie, parce que la Marie en moi a bonifié la Marthe que je suis, donnant la priorité à l'essentiel et trouvant en Dieu mon repos. Plus loin dans la foi, parce que je sais que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, aucune puissance, aucun mal, pas même la mort. Plus loin dans l'amour, parce que je quitte cette terre pour me blottir dans les doux bras du Père, là où se trouve le vrai repos et la vraie vie. Chère Marie, merci pour tout, et à bientôt dans la vraie vie. Chère Marie, sois bénie, tu es bénie. Amen. Nous prions les uns avec et pour les autres, avec les mots de sœur Emmanuel. Seigneur, tu sais bien que les humains ont besoin d'amis. Ils ne peuvent pas vivre seuls. Alors Seigneur, veux-tu être mon ami? Pour cela, chaque jour, je viendrai m'asseoir près de toi. Je te regarderai, tu me regarderas. Il y a tant de choses dans un simple regard. Tu sais bien que moi, je ne sais pas parler, pas même à toi. C'est tellement embrouillé et compliqué ce qu'il y a dans mon cœur. Apprends-moi seulement à t'écouter, dans le silence de mon cœur. Apprends-moi aussi que pour toi, je suis unique au monde. Seigneur, tu sais bien que j'ai besoin de toi pour vivre. Mon cœur a tellement besoin d'amour, alors accroche-le bien fort au tien. Parce que toi aussi, tu veux avoir besoin de moi.
Alors j'irai vers les autres humains avec toi. Ils seront tous mes amis. Tu m'apprendras à les aimer comme toi tu les aimes, et j'aurai besoin d'eux, parce que toi, tu veux avoir besoin de moi. Et d'ailleurs, comment pourrais-je t'aimer si ce n'est à travers eux? Seigneur, à l'issue de ce culte, et pour la durée de nos jours, je te prie de nous donner, de n'avoir pour autre fondement de notre vie que toi, qui t'es donné pour nous réconcilier à toi et faire de nous tes enfants. Des enfants qui te disent d'un même cœur et d'une même voix la prière que tu nous as toi-même apprise. Notre Père qui es aux cieux.
Avant son passage vers la maison du Père, Jésus invite ses disciples à demeurer en lui, en leur offrant l'image suivante. Je suis la vigne, vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Sur tous nos chemins, quelle que soit notre route, demeurons à l'écoute du Christ, lui dont les paroles sont une sève nourrissante. Recherchons continuellement sa présence et portons du fruit, en parole et en acte. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.